Ça ressemble à une descente VTT en accéléré en fait. On n'a vraiment pas arrêté une seule seconde de rencontrer des gens, de bouger, de participer à des projets. J'ai pas vu passer ces derniers mois, ça c'est sûr. Comme un super gâteau avec plein de parfums différents et j'aurais passé l'année à me régaler en fait. J'ai découvert que j'étais très résistante moralement contre les éléments. J'ai confirmé le soupçon que j'avais de pouvoir m'adapter à tout et n'importe quoi. Surtout m'adapter à tout et n'importe qui peut-être aussi. Par contre, les problèmes techniques me minent facilement le moral. Il ne sait pas s'arrêter. Il a plein d'idées. J'ai vraiment découvert quelqu'un qui a une résistance, une ténacité à toute épreuve. Très explosif. Et qui a une capacité de, on va dire, d'encaissement nerveux que moi je suis à des années-lumière d'avoir. Il a une facilité à se faire aimer des gens. Il y a un paradoxe chez Delphes qui est qu'elle n'a pas du tout confiance en elle alors qu'elle est absolument capable de tout. Se laisser porter par le vent quand il nous pousse dans le bon sens, bien sûr. La chose la plus facile, je pense que c'est faire équipe avec Delphes. Peut-être être tous les deux tout le temps. C'est laisser aussi loin derrière soi la famille et les amis. Delphine, vous prendrez bien un toast. Alors là, vous avez foie gras du Périgord et ici, saumon écossais fumé au bois de chêne. Ça a l'air délicieux, mais c'est étrange, tout a la même couleur. Oui, bon, c'est un petit peu particulier et je prends ça chez un traiteur en ville. Et comment on les reconnaît? C'est une bonne question. Ils ont la même saveur. Il y a un petit roulant de bois de hêtre hein, quand même. Dans le pain? Et vous n'auriez pas un bon vin à me conseiller pour manger si, avec bien les... sûr, Delphine. Une bouteille de chardonnay. Très bien. Vous n'auriez pas une petite coupe? Ah par contre, non, il va falloir le boire au goulot. Et ici, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, c'est un consommé de potiron à la crème et à l'ail rôti. Très particulier. C'est très bon, faut absolument que vous me donniez la recette. Quel est votre secret? C'est pas bien compliqué. La recette, je l'ai là. Si vous voulez, je vous la laisse. Ça me fait plaisir. Faire cuire 3 minutes. Oui, je pense que c'est la partie la plus délicate. Bon, ma petite Delphine, les boudins blancs au mori sont presque prêts. Je vous propose qu'on trinque à la nouvelle année au velouté au potiron. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année de la part de... Planète T.